Pour faire ce do-it-yourself, vous avez besoin de capsules, d'un morceau de bouteille en pète, un gros plomb, un morceau de gaine électrique et un bout de paracorde. 12 cm de ligature métallique. Un pistolet à colle. Des paillettes. Et de la colle. Deux pinces dont une à bourron. Et une perforatrice. Avec la pince à bourron, on prépare le yaduleur. On serre les spires. On arrondit le yé. On plie la capsule en deux. On découpe le morceau de plastique en forme d'écaille. Avec l'emporte-pièce, on fait un trou dans la partie supérieure de l'écaille. On recouvre une partie de l'écaille avec de la colle. On saupoudre la partie encollée avec des paillettes. Après séchage, voilà le résultat. Un oubli, avant l'encollage, on plie l'écaille pour lui donner la forme d'une hélice. On passe le petit bout de gaine dans le trou. On passe le fil d'acier dans la gaine. On prend le plomb et on le serre fermement sur la tige. On présente la capsule sur le montage pour repérer ou faire le yé de queue. Une fois le corps du leurre fini, on va le mettre en place et encoller l'intérieur de la capsule avec de la colle chaude. Une bonne dose de colle chaude pour fixer le tout. On place la meçon et on vérifie son positionnement. On ligature la paracorde avant l'œillet arrière. Un point de colle pour fixer le tout. Si ce do-it-yourself vous a plu, abonnez-vous.